Ramène-toi. Allez. Oh, c'est crasseux, putain. Oh, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait là. Putain, dévoreur de merde quoi. Sans doute la forge légendaire. N'est plus qu'à trouver les outils. Wow. Des outils de forgeron. Avec des ornements. Ce sont certainement les outils dont parlait Johanna. C'est magnifique, hein, honnêtement, c'est super beau. C'est un truc de ouf, je trouve des armes comme ça, alors bah faut... Je crois qu'il y a que les 7 qui sont bien sur le jeu, c'est ouf quand même. Hein. Le petit screenshot, je suis le roi du monde. L'endroit est magnifique, hein, c'est abusé quoi. Mais je suis choqué un peu. Bon, ici il y avait le troll. Donc la quête elle était level 24. J'ai pas compris pourquoi je suis tombé sur un mob 26. Bon bref, c'est pas grave. Je résume c'est 17. Ah non, même pas.
Waouh, là on est parti pour aller dans une caverne de ouf là. Il a l'air d'avoir plein de grottes dans ce Skellige, c'est ouf. Je sais pas si c'est la caverne en dessous, mais en tout cas elle a l'air immense. Honnêtement, j'ai même pas envie de la faire pour l'instant là. Vu qu'il y a une TP, genre serait bien peut-être de la faire tranquille. Quoi qu'au Zef, on y va, on y est, on y va. Soyons fous. Donc ici je suis allé, il y avait un petit coffre. La sauvegarde qui fait zizi. J'espère que je vais pas tomber contre un mob. Wouah. C'est quoi le délire? Ouais d'accord. De quoi? J'ai rien compris bidou. L'autre fois t'as fait un don à Dova, mais... Je sais pas, moi Dova ça fait 8 mois je le vois plus gros. Cet arbre il est magnifique. Ah mais c'était pas le truc que Natsu... Si si, il y avait un truc tout au fond, là-bas il y a un truc. Sinon la grotte elle sert à rien je crois. Ah moi est-ce que si, il y a des trucs là encore? Ah ouais, il y a des trucs là-bas au fond. Bon, si on prend une petite chat là, parce que genre honnêtement, voilà, hein, ça sera mieux pour tous. Ici en fait, je crois que je l'avais vu la dernière fois, il avait fait un truc. Je crois qu'il avait trouvé un truc tarpé intéressant. Je crois que c'est derrière un rocher. Il a dit ouais, tout ça pour ça. J'ai mis t'es ouf, Stéphane. Je crois que c'est là. À part si je l'ai déjà. Ah non, j'ai pas eu les mêmes trucs que lui. Ah merde. Il avait eu un schéma lui. Alors peut-être que je l'ai déjà, c'est pour ça que je l'ai pas re-eu. Ah, Texou, t'es un chacal. Si vous voulez à partir de mardi, chaque jour on ferait un sweet FX. Je veux juste que ça gâche pas le let's play en fait. Je sais pas si vous comprenez, vous voyez. Je veux pas que ça gâche le let's play, Tex. Du coup, je relis un peu ton message. J'étais sur le live à Dova. Je lui ai fait un don. Il m'a fait une petite. Il a fait la petite dédicace de ma part. J'ai aucune dédicace de personne, ouais. Moi, je vais pas foutre la merde ou quoi que ce soit, mais je t'ai dit, hein, ça fait longtemps que je vois plus.
Je crois qu'il m'a laissé un message il y a pas longtemps. J'ai pas pu lui répondre honnêtement. Maintenant que tu me fais penser, faudrait que j'y réponde. Tellement à droite à gauche, tout le temps à 10 000, que j'ai complètement zappé. Ouais, comment tu vas enflammer ça, gros? Je parle plus à des gars en ce moment, frère, pour tout te dire en fait. C'est pas que à Dova, hein, c'est à tout le monde. Les seuls moments où je vois Natsu, Chill, Red et tout ça, c'est en live. Depuis que The Witcher est sorti, je suis complètement en mode The Witcher, The Witcher. Et je vois plus personne. Ouais, t'inquiète, on le fera, Texou. T'inquiète, on va faire ça, moi. Parce que j'avoue, la grotte en mode... Ça peut être énervé, j'avoue, mon frère. Alors, est-ce que cette grotte a une fin ou parce que c'est un truc de ouf, là? J'ai l'impression que on s'enfonce dans le trou du cul du monde, là. Heureusement que j'ai la potion de chat qui dure juste 90 minutes, quoi. What the fuck, ça en lance deux. J'ai la peine de capter. Oui, je confirme, depuis The Witcher, on m'a abandonné. Si je le vois pas au tas, je le vois plus. Je sais pas pour te dire, hein, gros, que je suis pas un menteur. La vérité, hein, depuis que le jeu est sorti, je suis en mode solitude, solitude time. Il y a rien contre qui que ce soit, hein, c'est juste que je suis un grand solitaire de base. Et j'aime bien faire mes trucs solo, etc, etc. Et le sait qu'il n'y a rien de méchant ou quoi. Mais ne t'inquiète pas, Steel, ne t'inquiète pas, frérot. Il paraîtrait que je suis presque à 50% du jeu. Donc dans à peu près un mois et demi, on pourra se reparler sur Skype, frère. Ah, mais je t'ai pas dit aussi, je comptais le refaire, en fait. Mais en mode de hard. Tu vois, hard, en mode de difficulté ultime du jeu, ce qui va me demander plus de temps encore pour le finir. Et genre Natsu, quand il a fait ça, en fait, je me rappelle, il était en live, hein. Il était en live quand il faisait ça. Et genre, d'un coup, il m'a dit, il est sorti de la grotte. Quand il est sorti de là, il a fait, mais tout ça pour ça? Genre tout ça pour un glyphe? Il s'est affolé, ça m'a tué. Et mais cette grotte, en fait, elle est nulle. Stream d'été, la base, quoi. Ouais, ça va être chaud. Eh ben, que tu en parles, c'est bien, gros. Je me suis mis à faire du sub-hosting. D'ailleurs, toutes les personnes qui stream, que ça soit sur votre PS4, il y a pas mal de personnes qui voudraient peut-être se lancer, qui sont sub à la chaîne. Donc, toutes les personnes qui sont sub à la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Twitch pour savoir si vous serez prêt à vous faire hoster. Soit sur Twitch, Facebook, n'importe où, quoi. Comme ça, on essaie de s'organiser ça, pardon. Ça passe quoi? Ok. On essaie de s'organiser un truc, comme ça je j'hoste une personne. Ok.
Oh, la potion chat de la potion chat. La potion chat de, du futur quand même. De, depuis que je suis dans la grotte, j'en ai pris qu'une. Genre le truc il dure vraiment 90 minutes quoi. Il y a 90 minutes de grande quête et maintenant il y a 90 minutes de potion chat. Tu vois le délire ou tu vois le délire? Tu sais, c'était totalement nul, j'aurais jamais dû la faire. Pardon, je suis désolé. C'est juste qu'il commence à se faire tard. Oh, il veut plus monter. Eh hey, gros. Donc, je pense que ça va être bien. Même pour toi, un stylé, hein, honnêtement, gros. Si ça t'intéresse, frère. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a du hosting dans l'air. Et d'un coup, le tonneau, il me donne un truc de ouf. Ah, quand même. Quand même. Lingot de Dimeridium. Ouais, je sais qu'elle dure 13 minutes, gros. C'est marqué en haut. Ah non, bah oui, c'est pas les mêmes minutes que le Dende. Ça va faire 15 minutes que je suis dans la grotte, alors. J'avais pas le temps exact. Merci pour ton information, Maxence. Toujours très utile. Merci, mon frère. Du coup, là, pour ce chat, va piquer les yeux, attention. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Comme quoi je viens pas pour rien. Qu'est-ce que je voulais faire? Vider mon inventaire. Ta la 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 la. Qu'est-ce que c'est magnifique. Putain de merde. Salut, je m'appelle Gérald de Rive. Comment vas-tu? C'est lui qui commence à dérailler. Alors, au lieu de rebrousser chemin, comme il est possible de faire, je pense que je vais faire ça. Natsu, la dernière fois, il a fait quoi? Il a sauté, frère. Et il a dû nager pendant 8 km. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Totalement fou, ce mec. Denden, c'est best insult ever. Ben en fait, Denden, ouais, honnêtement, si tu vois que je traite une personne de Denden sur le live, après ça peut avoir plusieurs significations, mais honnêtement, c'est vrai que des fois, le trois quarts du temps, quand j'utilise le Denden, c'est quand le mec il met vraiment le seum en fait. Quand tu mets vraiment la haine, et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je dis pas que. Même moi, hein, je peux mettre Tarpin le seum. C'est vrai que des fois, je parle Tarpin, je parle trop même. Il y a des personnes qui kiffent ça, d'autres non. Ok, j'allais dire, mais oh, comment je monte? J'aimerais faire des lives, mais pas le matos ni la cou. Ben, tu sais, mec, si t'as une PlayStation 4 ou une Xbox One, t'as pas besoin de matos, hein. Tu vois le délire, gros, tu. Après, la cou, c'est indispensable, j'avoue. Pour faire au moins minimum du 480 ou du 720p. Allez, rapportons les outils à Fergus. Fergus Ferguson. Oui, pourquoi pas, frère. Ce midi, j'ai host Amandine et hier soir en Natsu. C'est pas grand chose, mais pas grand monde me suit. Mais si. Veilla son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Ouais, c'est sympa, gros, la vérité. Ce soir, on n'a pas eu notre Denden du quotidien. C'est vrai, on n'a pas eu notre Denden. Je sais pas pourquoi. Eh, le Denden, vous avez compris, hein, c'est le Dendon. Pour toutes les personnes qui se poseraient la question, qui me diraient, mais c'est quoi un dende? Eh hey Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec deux épées? Je peux faire le dende s'il vous plaît? Mort de rire, Mike Lucas. Non, 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 on va être obligé de te kick après, c'est pas rigolo, gros. C'est un dendon, hein, pour toutes les personnes qui demandent, hein. Au cas où. Ah oui! Effectivement, bidou. Avec une 360, tu pourras pas faire grand chose aussi, mon frère. Mais moi j'avais une sorte de petit objectif que je voulais faire, bon bien évidemment je pense que j'y arriverai peut-être dans 6 mois. Mais d'offrir une PS4 aux 200 subs, et c'est la vérité, hein, c'est véridique. Je l'ai pas marqué, parce que après je me suis dit peut-être que genre voilà, t'as vu genre les mecs ils vont penser que j'oblige à sub pour que j'offre une PS4 ou je sais pas quoi. Du coup je sais même pas si je vais le faire au final. Mais franchement je voulais le faire, hein. Je voulais le faire. Je me suis dit peut-être que les gens vont penser...
Tu vois, une sorte de cadeau pour remercier des... Ça marchera que avec les subs. Allez, donne-moi la pièce. Pile, on décrate les écuries. Bon, allez, l'équipe, malgré tout le monde, n'est pas en repos, hein, para. Mort de rire, je reprends demain, après-demain, gros. Donne-moi la PS4, gros. Je suis sub, donne-moi la PS4. Non, mais je rigole pas en plus, hein, mec. Si on arrive à atteindre les 200 subs, je pense que j'offrirai une PS4. Et c'est vraiment vrai, c'est pas genre des paroles en l'air. Mais j'ai pas envie de le mentionner parce que j'ai peur que les gens ils prennent ça comme. Là, je te dis ce qu'il dit, ouais, il fait ça juste pour avoir la thune, je sais pas quoi, juste pour avoir les subs. Et puis même, je m'en bats les couilles, gros. Que les gens ils me jugent, frère. Je suis tous les jours en live, je fais 6 heures de live tous les jours et tout, qu'il y en ait un qui vient de me juger, gros. Montrez-moi ce que vous avez. Ah, c'est bien ça. Ok. Non, c'est Oak Ace, pardon, excuse-moi. C'est bien, GG, mon frère. Tranquille, tu vas pouvoir t'amuser, gros. Ah ouais, ça va piquer, ça, Texo. Adieu. Après, on fait comme on peut, Bido. Hein. Je comprends. Vous aider. Oh oui, je l'ai largement dépassé, ouais. Je suis passé par Hundvik et j'ai trouvé ça. Oh ben ça alors. C'est pas possible. Je rêve. Mais non, regarde ces inscriptions. Pas de doute, ce sont les vrais. Manucile, Manu frérot. Comment avez-vous fait? Ça n'a pas été facile, j'espère que vous me ferez un prix. C'est sans importance. C'est une longue histoire. Pour le moment, j'ai vraiment besoin de cette armure. Armon Ebb Gronekan, lieutenant général du 2e corps d'armée de cavalerie. Bienvenue dans notre modeste établissement. C'est un honneur de vous recevoir, mon général. J'ai entendu dire que vous êtes un collectionneur d'armures. En effet, et il paraît que vous êtes maître armurier. Oh, vous êtes trop bon, messire. J'ai besoin d'une armure capable d'arrêter des projectiles perforants. Des projectiles perforants? Des carreaux d'arbalète? Ce n'est pas simple, faudrait un alliage spécial et... Les nouveaux outils? Ce sera un jeu d'enfant. Ravive le feu, je m'occupe du reste. Votre apprenti est bien effronté. Et vous bien laxiste. Vous savez comment c'est, général. Les bons apprentis, ça court pas les rues. Allons discuter dehors. Et pourquoi il est où là? Il est dedans? C'est toujours la même chose. J'en ai ma claque. Qu'est-ce qu'elle a? Comment ça? Il me traite comme son apprenti, mais je peux vous dire que l'armure du Nilfgaardien, c'est moi qui vais la forger. Et la vôtre aussi d'ailleurs. Et Fergus? Que fait-il? Des fers à cheval? Des clous? C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire. Et pourtant... C'est lui qu'on appelle maître. Qu'une humaine, une femme, soit capable de forger armure et armes, ça dépasse l'entendement. Un forgeron nain, en revanche. Si c'est vrai, pourquoi vous laissez Fergus vous traiter de la sorte? Oh, mais c'est fini. C'était la dernière fois. Il n'a qu'à se débrouiller pour forger l'armure du Nilfgaardien. Je vais en fabriquer une, moi aussi. On verra laquelle est la meilleure. Il me manque juste une petite chose. Vous voulez bien m'aider? Ça dépend. Pour renforcer l'armure, je dois la tremper dans un bain. En général, on utilise de l'huile, mais moi, je voudrais de l'acide. Et Kikimor et les archigriffons crachent de l'acide. Les archigriffons? C'est des griffons dragons, c'est bien ça? Les hommes du baron sont passés par ici il y a quelques jours. Ils m'ont dit qu'un griffon dragon terrorisait les habitants de Perchefreux. Quelqu'un doit avoir mis un contrat sur la tête de ce griffon. Je pourrais faire d'une pierre deux coups. C'est d'accord. Apportez-moi de l'acide. Je vous prouverai que je suis meilleur que Fergus. Et je vous fabriquerai toutes les armures que vous voudrez. Ok.
Oh, le panneau s'est réactivé. Ah, ce fameux griffon. Ok. Pourquoi pas. Bon, je suis assez occupé. Désolé, j'ai du travail. Merde, du coup putain, je peux pas revendre toutes mes merdes. Mais d'une pierre de coup, c'est ce que je vais faire. Je vais. C'est qui ça, qui ce cheval de merde là? Un archer griffon, ouais, ça va être kiffant, hein. Merci du follow, Knolan. Ils sont fait défoncer comme une pute. Ça me surprend. Ils ont voulu se frotter à un sang. C'est ce que je vais faire. Je vais aller à Novigrad. Je vais aller forger mes deux épées que j'ai pas fait tout à l'heure. C'est par là. Je vais aller à Novigrad. Je vais forger mes épées avec l'elfe. Et ensuite, je pense que je vais déco tranquillement. Vu qu'il est 4h du mat, j'ai pas envie non plus d'abuser. Vu que demain, encore une fois, je me lève à 8h pour m'occuper de ma fille. Déjà, je vais dormir 4h, ça va être rigolo. Et puis, comme ça, voilà, demain, je ferai tous les rendus. Parce que ça fait 3 jours que je fais pas de rendus.